L'ouverture officielle de la saison hivernale à Snowhall a eu lieu samedi 22 octobre. Pour cet événement, l'école de ski français avait pris les choses en main, proposant gracieusement des séances d'initiation au ski. En effet, en cette ouverture de saison, Snowhall, on sait très bien que cette piste fonctionne aussi avec la saison hivernale, au même titre que les montagnes. Et nous avons choisi de l'ouvrir cette année avec notre partenaire privilégié qui est l'école du ski français, puisque Amnéville, associé au Massif des Vosges, puisque nous avons la visite du directeur et président du Massif des Vosges, du secrétaire général de SF France, on a choisi de faire cette ouverture avec eux puisqu'ils occupent quand même la piste avec nous toute l'année. Outre cette initiation au ski, d'autres activités étaient mises à l'honneur pour rendre cette journée attrayante. Ce week-end, le SF a proposé des initiations gratuites à tous les clients venus profiter de la piste. Et puis, en ce moment, derrière moi, se déroule la flèche avec un slalom proposé par ESF à tous les candidats. Il y a une vingtaine de participants ce soir. On a bien sûr nos activités habituelles qui sont devenues habituelles, telles que le Big Airbag. Et d'ici une petite demi-heure, la descente au flambeau avant une soirée, orchestre et puis la nouvelle carte restaurant mise en place au chalet qui ouvre pour ses vacances. Cette année, Snowhall a eu la chance d'accueillir des grandes équipes nationales de ski se servant de la piste indoor pour leur préparation physique ainsi que pour les tests de matériel de début de saison. Cet engouement pour la piste de ski amnévilloise est gage de la qualité offerte par la structure. Je crois que cette année, Snowhall a marqué un fort coup sur la crédibilité auprès des grandes équipes européennes, puisqu'on a une progression de près de 60%. Alors certes, ça n'est pas avec les clubs que Snowhall fait la majeure partie de sa valeur ajoutée, mais c'est une belle réussite que d'avoir pu ramener tous ces clubs avec l'hébergement, une restauration qu'ils ont qualifiée d'excellente et une piste tout autant, puisque les techniciens se sont mis à l'œuvre pour donner une qualité de piste qu'attendaient tous ces coureurs qui sont quand même souvent des professionnels, avec une dureté que pourraient nous reprocher quelques clients parce qu'on a dû arroser cette piste plus tard dans la saison. Et aujourd'hui, on a une partie gauche de la piste, lorsqu'on regarde la piste à partir du bas, une partie gauche qui est dure. Donc on recommande à nos clients peu avertis de rester sur les deux tiers droits de cette piste. Beaucoup d'événements sont organisés en fin d'année à Snowhall, à commencer par Halloween, la soirée de solidarité du 9 novembre en faveur de la lutte contre le cancer du sein. La structure participera également au Téléthon les 2 et 3 décembre prochains, sans compter les week-ends de découverte de trottinettes des neiges ou de manifestations sportives.